est-ce que tu jettes toujours toutes tes pioches usagées? Arrête, à la place, tu en as marre que des creepers explosent devant ta base? Alors fais... Ouais, je vais pas tout vous dire en intro, pour voir toutes ces erreurs à ne pas commettre sur Minecraft, regardez la vidéo. Et d'ailleurs, sans plus tarder, on commence par la première erreur. Si vous comptez aller battre le Warden, sans l'astuce que je vais vous donner. On est d'accord que quand on va combattre le Warden, on a globalement ce stuff, mais je vais vous montrer le problème avec ça. Ok, maintenant qu'on a notre Warden, vous allez voir le problème. Et bah, le voilà, c'est que je ne le vois pas. Là, je le vois à peine, mais à seulement quelques blocs de distance. Et le problème là, par exemple, c'est que si je fais une tour comme ça pour essayer de le fumer à l'arc, et bah, on va avoir beaucoup de mal à le voir. C'est pour ça qu'à la place, vous allez prendre ce qui s'appelle des spectral arrows. Et maintenant, regardez ce qui se passe. Je lance juste une flèche sur le Warden. Et maintenant, même si je vais à 20 blocs, je verrai où est-ce qu'il est. En plus, cette première astuce est hyper facile à mettre en place, parce que vous pouvez très facilement en obtenir en grande quantité juste en faisant des échanges avec les piglins. Deuxième erreur à ne pas commettre. Si vous avez besoin de tuer des mobs à distance avec un arc sans pouvoir utiliser l'enchantement looting, et bah à la place, prenez-la quand même, cette épée looting, et en fait, vous allez la mettre dans votre deuxième main. Et maintenant, quand vous allez tirer avec votre arc, Minecraft considérera que votre arc a l'enchantement looting pour vous prouver que ça marche vraiment sur 20 wither squelettes sans l'enchantement looting et la différence avec avoir sa petite base avec plein de coffres, des creepers qui rôdent tout autour, mais rien pour protéger les coffres. Pour ça, une technique super simple pour y parer, vous avez juste à waterlogger vos coffres. Et maintenant, si un creeper vient exploser à côté de vos coffres, et bah faut voir que tous les coffres qu'on a waterloggés ne vont pas exploser. Pour faire en sorte que ce soit pareil pour ceux du dessus, et bah vous avez juste à étendre la technique un étage de plus. Et d'ailleurs, vous pouvez même faire ça dans votre base si vous avez par exemple peur qu'il y ait des joueurs mal intentionnés qui viennent tenter de voler vos coffres ou péter votre base. Et là voilà, vous pouvez voir qu'ils sont totalement résistants. Bon, tiens, et d'ailleurs, erreur numéro 4, c'est de ne pas protéger votre base de manière super simple. Ok, toute cette petite base, elle me sert de démonstration pour la vidéo. Bah, vous pouvez voir que dans la base, il y a une deuxième maison. Et en extérieur, elle paraît globalement normale. Voilà, juste mis des petites trappes pour faire genre un petit peu une maison fissurée. Si on rentre, il y a absolument tout le nécessaire. Maintenant, il ne suffit plus de changer qu'un petit détail. Et voilà, maintenant, ma maison est entièrement protégée de n'importe quel envahisseur. Je vais vous le montrer, hein. Littéralement, je vais mettre une dose astronomique de TNT. Et si on fait tout péter... Vous allez voir que la maison reste entièrement intacte, elle a pas un pet. Et si je vais à l'intérieur, c'est exactement pareil. Bon, le seul point négatif, c'est que c'est pas le meilleur des designs, mais faut masquer ça de différentes manières. Et puis, c'est toujours mieux que ça, hein. Par contre, je vous ai pas montré comment est-ce que j'ai protégé cette maison. Et bah, à vrai dire, c'est vraiment très peu coûteux, et c'est un petit peu la même méthode que pour les coffres. Vous allez juste faire un petit bac avec des escaliers qui ressemblent à ça, et ensuite, vous mettez de l'eau absolument partout. Et du coup, si on regarde ce que ça donne directement sur la maison, et bah, voilà le travail, c'est vraiment invisible de l'intérieur puisque les escaliers tournés comme ça, on dirait juste des planches banales. Cinquième erreur, déplacer des animaux à la main sur des grandes distances. Et encore là, je dois avoir 100 blocs de distance à tout casser, et pourtant, voyez le temps que ça me prend, et en plus les risques que le cochon endure. À la place, enfilez-moi des petits élytras, on prend notre mob en laisse, et ensuite vous allez venir décoller avec votre mob, mais attention, au début on va faire des cercles très petits, histoire de monter dans le ciel, et surtout, ne vous éloignez pas trop du mob, mais en gros, ça donne à peu près ça. Ouais, d'ailleurs, il peut parfois y arriver quelques ratés comme là. Moi, ce que je vous conseille, c'est de partir avec votre mob depuis un lac. Comme ça, un petit peu moins de risques. Et du coup, quand ça fonctionne, vous pouvez voir que le cochon, on l'amène en un temps record. Par contre, super important avec cette technique, ayez un point d'eau à l'atterrissage. Sinon, voilà ce que ça va faire. Sixième erreur, chercher de la netherite uniquement en allant miner, que ce soit avec une simple pioche, de la TNT ou avec des lits. À la place, faites plutôt ça, buvez une potion de fire résistance, vous sautez dans la lave, et maintenant, si vous collez à la dalle, hop, et que je baisse un petit peu la tête, et bah on a un genre d'X-ray, on peut voir absolument partout dans la lave, et là en l'occurrence, je vois qu'il y a de la netherite juste ici, et ça a pris vraiment 20 secondes chrono, structure inclus d'en trouver. Sixième erreur, tant qu'on parle de matériaux précieux, et qu'on est encore dans le nether, si à un moment vous tombez sur une forêt en crimson, n'hésitez surtout pas à prendre ces petites lianes, parce qu'une fois de retour dans l'overworld, ça pourrait vous être super utile, par exemple, juste pour descendre des grottes. Au cop, vous mettez pas mal de bone meal, qui en plus se trouve hyper facilement, elle aussi, dans le nether. Et voilà, comme ça, ça vous permet de descendre, mais aussi de remonter super facilement, sans s'embêter à faire des ponts pour sauter dans l'eau, puis ensuite la galère à remonter. Bref, huitième erreur, c'est d'avoir un ender chest rempli, mais qu'un seul point d'accès. Parce que maintenant, le problème, c'est que vous l'avez posé, mais si vous tentez de récupérer, et bah, vous n'aurez que de l'obsidienne. Et je vous rappelle, mais ça coûte cher à faire un ender chest. Donc à la place d'en mettre juste un dans votre base, mettez-en aussi un à la sortie de nether, à l'entrée de votre grotte, à la remontée de celle-ci aussi, et plein d'autres points clés dans votre monde. C'est après une bonne petite séance de minage, où par exemple ton inventaire ressemble à ça, et j'inventerai un, hein, je me suis littéralement basé sur l'inventaire d'un vrai joueur, bah au lieu de passer 20 minutes à ranger tous tes coffres parfaitement,
vêtements avant de pouvoir, par exemple, repartir en mission, et bah à la place, je vais vous montrer un vidage d'inventaire ultra rapide et activable-désactivable. Pour par exemple, si vous avez un système de triage automatique dans votre base. Prenez juste ces ingrédients-là, et ensuite, on va faire la structure suivante. Donc, on va juste placer un petit levier, et ensuite, on va placer 9 entonnoirs interconnectés entre eux ou pas. C'est à vous de voir comment fonctionne votre système, ou si vous le voulez ou non. Ensuite, on place 9 de redstone, et on finit juste avec le petit bateau. Et voilà, maintenant, le système est activable-désactivable. Donc là, si la redstone activée et que je rentre dans le bateau et que je commence à déposer absolument tout mon inventaire, bon bah, il faut voir que tout reste dans le bateau, mais par contre, si j'active du coup les entonnoirs en enlevant la redstone, bah, faut voir que tout se vide à une vitesse ultra rapide. Ce qui est vraiment ultra rapide comparé au vidage d'un coffre normal. Erreur suivante à ne pas faire. On l'a vu, quand je suis descendue dans ma grotte, il y a vraiment des plantes qui ont poussé partout. Alors certes, je pourrais essayer d'arrêter qu'elle pousse en mettant des ficelles, mais déjà les ficelles, bah vous voyez, ça a cassé la plante d'à côté et en vrai, ça se voit quand même un peu. À la place, prenez juste des cisailles, vous arrêtez la pousse de la plante où vous voulez, moi par exemple ici, ensuite hop, petit clic droit, et là j'aurais beau attendre 10 minutes, bon moi je vais accélérer le temps pour que vous voyez un petit peu, et bah la plante ne poussera plus jamais, alors qu'en comparaison, hop, là la vigne repousse de manière hyper rapide. Donc voilà, maintenant vous pouvez un petit peu embellir vos grottes et dégager tous les passages. Pour la mini explication, c'est parce qu'en fait ça force la plante à atteindre son âge maximal. Par exemple, cette vigne là que j'ai pas coupée, elle a un âge de 3, et là hop, si je la coupe, elle a un âge de 25, du coup comme ça elle ne poussera plus jamais. Ok, erreur numéro 11, encore une erreur assez facile à régler, mais si à un moment vous trouvez une épave qui est... Bah, elle est trop stylée, cette épave. Elle est entièrement sur le côté et elle est absolument pas cassée. Bon, bref. Si vous trouvez une épave qui contient une carte au trésor, et bah, une fois arrivé sur les lieux, ne galérez pas en essayant de bien vous positionner sur la croix et tout. À la place, mettez-vous juste en 9-9 sur le bloc. Donc là, hop, premier 9. Et voilà, là, deuxième 9. Et maintenant, si je mine juste en dessous de mes pieds, et bah, voilà, je vois directement le coffre au trésor. Allez, hop, 12e erreur. Pour avoir d'autres des trésors de Minecraft, à savoir les disques de musique, et ouais, je les considère comme des trésors, parce que bon, je vous rappelle que pour les obtenir, c'est littéralement hyper compliqué. Il faut qu'un squelette, qui est un mob qu'on ne peut pas contrôler, réussisse à tuer un creeper, qui est un mob qu'on ne peut pas non plus contrôler du coup. Et bah justement, votre erreur, c'est si vous galérez à faire tout ça. Il y a un moyen super simple pour faire autrement grâce à cette machine. En gros, dans un premier temps, il faut que vous attiriez tout plein de creepers dans un trou, donc pour ça, vous mettez des trappes d'or ouvertes, comme ça ils vont croire que c'est un bloc plein. Une fois que ça c'est fait, vous attirez un squelette jusque sur cette plaque de pression, qui aura qu'un fois le voir comme effet de le mettre dans une genre de cage. Et maintenant, pour obtenir vos CD, vous n'avez plus qu'à faire en sorte que le squelette vous tire dessus. Sauf qu'en fait, normalement, il devrait mettre en feu les TNT. Allez, non, raté, c'est encore moi ça. Voilà, là il a réussi. Et du coup, quand une TNT est allumée par un squelette, explose des creepers, on va recevoir tout plein de disques. Et puis l'étape finale, c'est d'automatiser ça en mettant une petite trappe qui amène directement à un coffre qui est relié à des entonnoirs qui vont exploser sous les creepers. Et maintenant, 14e erreur à ne pas faire. Ok, une astuce bien plus rapide et pratique, tu cherches par exemple à remplacer tout un sol ou tous les blocs d'une maison. Au lieu de le faire d'une manière relativement lente, et même en mettant dans la deuxième main, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rapide, et bah prenez-vous un outil qui casse les blocs instantanément, ce qui, bon, honnêtement, si vous cherchez à refaire les sols de votre village, à mon avis, c'est que vous êtes déjà un minimum avancé, donc vous devriez avoir ça. En gros, vous mettez le bloc dans votre deuxième main, et ensuite, vous allez maintenir les deux clics enfoncés en même temps. Et là, non mais juste regardez l'efficacité que c'est, je suis tellement rapide, et même malgré des mini-erreurs, bon bah au vu du temps gagné, ça en vaut largement la peine. Tiens, d'ailleurs, profitons-en tant qu'on est dans un village pour vous parler de la 15e erreur. Si vous voulez enfermer des villageois avec lesquels vous avez par exemple fait des trades, et bah arrêtez de galérer à tenter de les enfermer, que ce soit en faisant des grands enclos et en espérant qu'ils arrêtent de bouger, ou alors juste en essayant de miner sous eux, parce que déjà, bon bah ils vont partir, voilà, et puis honnêtement, même si vous réussissez, bon bah vous aurez bien galéré, c'est pas très beau, et j'ai un petit peu plus fun et plus pratique. On va reprendre l'endroit où il s'enfermait tout seul il y a 2 secondes, mais à la différence près qu'au lieu d'avoir du bois en dessous, on va mettre du miel. Et maintenant, si je leurre mon villageois à l'intérieur juste en lui ouvrant les trappes d'or, et bah il est coincé, il ne pourra jamais ressortir, et en plus vous pourrez en avoir plein au même endroit et faire des trades avec eux sans qu'ils risquent de s'échapper. Vous en avez des choses à dire, les gars, hein? Quoi? Dites aux gens de vous abonner. Mais les gars, en plein milieu de vidéo, c'est une super idée. Bah vous savez quoi? Allez, pour la peine, je vous libère. C'était une très bonne initiative de votre part. Tiens, et bah 17e erreur à ne pas faire tant qu'on est encore dans le domaine des villageois. On est d'accord que c'est assez fréquent en créant un nouveau monde de tomber sur un village. Et bah au lieu de vouloir récupérer toutes les bottes de fond à la main, ce qui prend, on est d'accord, un certain temps quand même, hein. Et bah à la place, foncez juste sur une maison. Allez, chaparder une petite bûche. Faites-vous une houe en bois. Cette fois-ci, constatez le temps que ça prend. Et c'était rien qu'une
petite ou en bois, hein. Par exemple, là, c'est en comparaison avec une ou en pierre. Là, une en fer. Et je vous affiche à l'écran pour le reste des ou. Enfin, voilà, parce que ça, c'est une erreur de base à ne plus faire. D'ailleurs, comme la prochaine est 18e erreur, si tu veux te faire une base dans Minecraft... Bah la plupart du temps tu vas avoir besoin d'un toit. Et on est d'accord, quoi de mieux que d'utiliser des bons vieux escaliers de Minecraft. Mais attention à ne pas faire cette erreur. Au lieu de crafter vos escaliers comme ça dans une table de craft, donc pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs vous obtenez 4 escaliers, utilisez plutôt un tailleur de pierre. Et vous allez voir que là si je mets 6 blocs de briques, et bah là je vais récupérer 6 escaliers. Donc en gros voilà visuellement la différence et pourquoi il ne faut pas faire cette erreur. Et d'ailleurs prochaine erreur à ne pas faire, en tout début de vidéo on a parlé de comment combattre le warden, mais si vous voulez éviter de le combattre justement, eh bien pour ne faire aucun bruit dans les anciennes cities, par exemple en tombant, ce qui pourrait par exemple, et vous le voyez très nettement, activer des Sulk Sensors, et bah à la place claquez-vous une petite potion de chute lente, et là maintenant si vous devez descendre à un endroit, et bah vous ne ferez plus aucun bruit. Hop, voilà, en toute discrétion. Ok, un truc qui lui va être un petit peu moins en discrétion, une île. Ok, mais parce que je sais pas vous, mais moi personnellement, le terraforming c'est pas mon fort. Genre là, si je dois essayer de faire une île, hein, et vous pouvez essayer de le faire en même temps que moi, on va se rendre compte un petit peu tous de notre niveau de terraforming ensemble. Et bon, en gros, voilà moi à quoi mon île va ressembler. Et bah, justement, tiens, on va laisser Minecraft faire le travail à notre place. On va les laisser terraformer à notre place. Je m'explique. En gros, prenez de l'herbe, du mycélium. Et là où vous avez défini le centre de votre île, vous allez mettre 4 blocs d'herbe dans chacun des coins du carré que vous aurez défini pour la taille à peu près de votre île. Vous mettez du mycélium. Et maintenant, on laisse la magie du temps opérer. Et une fois qu'on a un pattern qui nous plaît, on vient enlever tout le mycélium qui s'est propagé. Et nous voici donc avec le travail final. Je vous le rappelle, sans qu'on ait eu rien à faire. Bah ouais, c'était ça l'erreur de faire quelque chose. Ok, 21e erreur. Imaginons que je vais essayer de vider cette petite caverne d'eau. Et bah ne faites pas ça à essayer de poser des blocs. Ensuite hop, on récupère tout à la main, etc. C'est long. À la place, prenez des blocs rapides à casser. Globalement, vous avez le choix entre ces trois là. Par contre, faites gaffe la TNT si jamais vous essayez de vider un lac de lave. Mais sinon, dans l'idée, voilà ce que ça donne. Une fois qu'on a rempli, hop, tout l'eau de slime. En un instant, tout est cassé. Et on a notre petite cavité de vider. Ok, je vous donne une autre petite astuce qui est toujours intéressante à savoir. Si jamais vous faites des erreurs quand vous faites la version speedrunnée d'un portail de Minecraft, bah dans ce cas-là, je vais vous montrer la version plus simple et sans erreur possible. Creusez un trou de 5 de profondeur avec 4 de long et 1 de largeur. En gros, là, comme sur le petit schéma, quoi. Ensuite, vous placez l'eau sur l'un des deux blocs du centre. Et voilà, maintenant, on n'a plus qu'à construire notre portail sans se soucier des erreurs. Parce que bon, là, littéralement, vous ne pouvez pas vous rater. Hop! Et pour le dernier bloc, on interchange la source d'eau. Et voilà le travail. Maintenant, on a notre portail de fait. Tiens, d'ailleurs, avant de rentrer dans le nether, ce serait peut-être bien de se claquer des petites potions de fire résistance. Mais pour ça, attention, il y a une erreur à ne pas faire. Ne lancez jamais vos potions à vos pieds. Vous pouvez voir qu'à la base, c'est des potions de 3 minutes. Déjà, là, j'ai perdu 30 secondes. Ce qu'il faut faire, c'est les lancer au-dessus de votre tête. Et là, vous pouvez voir qu'on a la durée maximale. Et si vous voulez la petite explication, c'est parce que plus on splash une potion loin de cette petite ligne qui est là pour définir la tête de notre joueur, moins on aura de durée de la potion. Et si vous voulez être sûr de pas rater le processus, mettez juste un dispenser et on se balance une potion. Et voilà le travail, on a la durée max. Et oui, c'est bien la durée max, hein. C'est juste qu'elle dure 1 minute 30, ces potions de slow falling. Et bah tiens, tiens, tiens. En parlant de slow falling, de tomber lentement, de chute, etc. 24e erreur à ne pas commettre. Ah, c'est bête, hein, mais c'est prendre des dégâts de chute. Voilà, ça je vous déconseille de le commettre, cette erreur, quoi. À la place, si vous avez un cochon sous la main, prenez une selle, un petit carrot on a stick. Et bah, il y a un bug assez peu connu de Minecraft qui fait que vous allez pouvoir prendre aucun dégât de chute en tombant. En gros, mettez n'importe quoi dans votre seconde main. Ensuite, en tombant, on va échanger la canne à carottes. Ouais, je vais l'appeler comme ça. Et les items qu'on a choisis, ce qui fera que le cochon ne tombera pas à une vitesse normale. Et juste avant de toucher le sol, on descend du cochon pour éviter les dégâts de chute. Parce que si vous descendez pas, voilà, ça fait des crêpes, quoi. Ok, la 25e, je sais pas si c'est une erreur, mais en tout cas, c'est toujours un truc sympa à savoir. Au lieu d'utiliser des portillons pour vos farms, vous pouvez utiliser des tapis qui feront très bien l'affaire. Là, vous pouvez rentrer et sortir. Tandis que les vaches, elles ne peuvent pas. Et même, vous pouvez un petit peu mieux camoufler ça en accordant les couleurs. Ok, 26e erreur, c'est de bridge sans ce qui se trouve dans ce coffre, à savoir l'enchantement Swift Sneak. En fait, la mécanique du Swift Sneak, elle vous permet de faire des ponts beaucoup plus rapidement. C'est par exemple super utile dans les grottes ou même dans le nether quand vous devez traverser d'immenses lacs de lave. Et pour vous prouver que c'est bien le cas, on va faire une comparaison. Donc voilà le premier temps sans Swift Sneak et maintenant avec Swift Sneak.
Bon, voilà, hein, je pense qu'il n'y a pas photo. Si vous avez besoin d'enderperles en début de partie, mais que vous n'avez encore rien sur vous, ni bouclier, ni de quoi vous protéger, et bah, je vais vous montrer une astuce super pratique pour éviter de faire l'erreur de les attaquer de plein front. Et bah, craftez-vous tout simplement un bateau. Et maintenant, regardez, si je le pose à côté de lui, hop, et bah, il va rentrer dans le bateau. Et là, je vais beau avoir le regarder, m'éloigner, il va pas pouvoir se téléporter à moi. Et là, je vais juste pouvoir le tuer en toute tranquillité et récupérer ma petite enderperle. Ok, 28e erreur à ne pas faire, qui d'ailleurs, je pense, est mon astuce préférée. Si vous avez peur de faire l'erreur de perdre votre base quand vous partez miner ou vous partez en exploration, et bah au lieu de noter ça sur un bout de papier que vous risquez probablement de perdre, faites plutôt un tour à votre base avant de partir et renommez plutôt un de vos outils avec les coordonnées. Donc par exemple là ma pioche c'est la base, mon portail du nether ça va être mon épée, etc etc, parce que ça au moins vous êtes sûr de jamais les perdre puisque vous les aurez toujours sur vous. Ok, on va finir avec trois trucs pour les gens qui veulent vraiment être très bons à Minecraft et ne plus faire de grosses erreurs. Donc on commence avec la première erreur. Par exemple, si vous essayez de farmer des têtes de squelettes, ce qui, on le sait, peut être très 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 long selon votre chance, et ben je vais vous montrer une astuce de pro pour éviter de galérer autant. Ok, la première étape c'est d'enchanter un trident avec channeling. Ensuite on attend qu'il pleuve. Une fois qu'on a ça, troisième étape, on lance le trident sur un creeper, ce qui va le rendre chargé. Et ensuite en amont, il faut que vous y ayez préparé pour que le portail de nether amène directement à la forteresse. Et maintenant qu'on a tout ça, on n'a plus qu'à réunir le maximum de wither squelettes qu'on veut. Et pour ça je vous conseille de creuser à peu près une zone comme ça. Et là les wither squelettes vont directement tomber dedans. Et ensuite dès que vous sentez que c'est le bon moment, vous ouvrez les barrières, vous lui mettez un petit coup de flint, et là vous fuyez. Et maintenant quand vous allez revenir, tadam, vous aurez forcément eu une tête de wither à coup sûr. Alors ouais c'est peut-être un peu compliqué, mais au moins t'es sûr à 100% d'avoir des têtes avec cette méthode, contrairement de base à 2,5% seulement. Ok, 30e truc, et c'est encore si vous voulez être un pro de Minecraft, si vous êtes déjà un minimum avancé dans votre survie et que vous cherchez par exemple à faire un gros trou pour un gros projet ou autre, et bah dans un endroit où vous avez déjà une mine optimisée, vous allez, et ça tombe bien qu'on en ait parlé avant, faire spawner un wither. Comme ça, il pourra vous casser tout ça beaucoup plus rapidement que ce que vous pouvez, parce que même avec une pioche en netherite efficiency 5, vous n'allez pas one shot la deep slate. Donc au moins là, on n'aura plus le problème. Hop, il explose. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à reculer petit à petit dans vos tunnels en lui mettant des petits coups. Parce que dès qu'il perd de la vie, vous pouvez voir qu'il casse des blocs. Voilà, maintenant, vos tunnels est miné beaucoup, beaucoup plus rapidement. Ok, et ça y est, on arrive déjà à la dernière erreur à ne pas faire sur Minecraft de cette vidéo. Au lieu de galérer pendant hyper longtemps à obtenir des émeraudes, à avoir des trades qui ressemblent à ça juste pour avoir un émeraude, et bah, je vais vous montrer comment, contre trois petits bouts de terre, vous allez pouvoir obtenir un émeraude. Ok, on va rentrer dans cette petite maison pour laquelle j'ai préparé tout le nécessaire. En gros, la première étape, c'est de faire ce petit setup. Donc, des chaudrons, des dripstones et de la terre un bloc au-dessus des dripstones. Ensuite, vous prenez 3 bouteilles d'eau. Hop, on va transformer la terre en mud en mettant de l'eau. Avec du temps et de la patience, la boue va se transformer en clay en séchant. Et maintenant, on n'a plus qu'à ramasser toute notre argile. Et voilà comment j'obtiens mon émeraude à la base de seulement 3 de terre. Bon, voilà, comme je l'ai dit, les 3 dernières erreurs à ne pas faire, c'est vraiment pour ceux qui souhaitent être des pros à Minecraft. Et d'ailleurs, j'espère que vous aurez compris au moins un truc dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire si c'est le cas. Et surtout, dites-moi si vous voulez que je refasse une deuxième vidéo comme ça. Et surtout, abonnez-vous, c'est très très important.